Hi there, welcome on the stream. Today again in Brussels, we have a protest going on of the cultural sector, so nightlife, clubs, theaters and stuff. So if you people could please start to share, because my second phone, the battery is empty, so I cannot do my own shares in the groups. And so Chan, that would be lovely. Dag iedereen, welkom op amai.be. We zijn vandaag te Brussel op het protest van de cultuursector. Dus ja, de nightlife, theaters, die natuurlijk de nieuwe sluiting niet zo cool vinden. Zo vriendelijk zijn dat jullie kunnen beginnen te sharen. En jullie roepen, want mijn tweede gsm, mijn oude gsm, dan kan die batterijen heel versleten en kan niet mijn eigen shares gaan doen in de groepen. Dus zo fijn zijn dat jullie kunnen beginnen te sharen. Alvast welkom. I have to say, I came with the train and oh my god, those discussions on the train were so mainstream media. So no, nothing about financing healthcare properly after 2 years of crisis. Nothing about that the virus is even far spread as hyper-capitalistic fraud, like the Pandora papers and shit. So yeah. Anyways, welcome. We'll see how this is going. It's going to be probably a peaceful protest. Because probably it's going to be like that. I'm going to put the cam in the air. I'm mostly shut up for the day because I'm already like frustrated as hell that those people seem to only be able to follow the narrative. Ça va? NCTV is going to stream later. INCETV va faire un stream en francophone. Tout à l'heure, ça va? Je pense pas qu'on a besoin de la masque à gaz. Et Kairos est là aussi. Hein, Kairos ouais. Est là aussi, donc pour les gens francophones, mais bon, Kairos a beaucoup de vues. Donny Olivier aussi un peu de vues. Et voilà, Kairos sera là, je pense que Vécu sera aussi et là. Dus voor de mensen in het Nederlands, dit is Olivier, Vrije Burger Media. Zijn media noemt INCETV. Ja. En doet dus net zelfs als wij amai en het Frans, dus maar Franstalen. Maar kan ook een beetje Nederlands. Oh, ik spreek ook Nederlands. En voilà, kan ook een beetje Nederlands. Meer dan een beetje. Dag Flemish, goedemiddag. Hi Frits, more hier. Hi there. So don't forget to be sharing in the air. Hey, oh, by the way, wait a minute. I hope you all had a Merry Christmas. I'm wishing you, well, at least I hope you had a Merry Christmas. And I'm already wishing you a Happy New Year, of a Happy New Crisis, of a Happy New Fear, whatever the fuck, for 2020. Because this is going to be the last protest we're going to do for this year. The first one in January will be the 9th, where there is a March for Freedom 3 or 4, we lost the count already.
l'adrénaline, passe devant lequel on freinait l'omnibus. Soir avec des femmes, des messieurs, qui fussaient sur la péréliane, le cœur dans les étoiles. Y'a qui fait tout mon grand-père. Depends on which show you're talking about. Depends on which show you're talking about. So, to all the mensen die toekomst hebben de stream, welkom, bedankt voor dat te zijn. To all the people who joined the stream, thank you for being there. Thank you for sharing, bedankt om te delen. And thanks for subscribing, dank u om te abonneren. We're gonna move over to the street, because there you see Zone Libre. Zone Libre is the, it's not really a cultural organization. It's more an organization against all this COVID situation of the French part side of our country of Belgium. Because Belgium has like actually three main languages. We have Dutch, we have French, and we have German, but so they are from the French side. Is aan de Waalse kant een organisatie die al langer opstaat tegen, tegen heel die COVID-maatregelen. Probably YouTube is gonna make me with all this music playing. Probably I will have problems on this video when I come back home. You have a copyright infringement. So YouTube, it's not me fucking playing the music. But yeah, it is what it is. We'll see later. We'll see later about that. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse.
t'en sors quand y'en a plus, et ben y'en a encore. Et ça c'est cool, problème, j'ai problème, on vient la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu bouges plus les oreilles, et là tu cries encore plus fort. I'm so bonjour mad that a man is like this pancake. Goedemiddag. J'ai l'honneur et la tristesse d'être ici sur le podium, mais je suis ravie de vous voir. Vous êtes beau. Jullie zijn echt prachtig. We gaan vandaag samen kerstdag vieren. Wat denk je ervan? Hein? On va faire un Noël tous unis. On va se montrer et on va dire ah non, là maintenant ça suffit quoi. Het is genoeg geweest. Tout le monde qui représente la culture, tout le monde qui adore les arts et tout le monde qui se rend compte que c'est important dans notre société est présent ici. Merci d'être là. Dankjewel dat jullie hier aanwezig zijn. Om jullie allemaal één voor één op het podium te halen, maar dat was een beetje een moeilijke. Dus we hebben een paar vertegenwoordigers die graag het woord zullen richten aan jullie. En dank voor jullie steun alleszins. We hopen hier met onze aanwezigheid duidelijk te maken dat ze de tijd terug moeten spoelen en de beslissingen toch eens moeten opnieuw bekijken en zien of ze niet van gedachten kunnen veranderen, als je snapt wat ik bedoel. Votre présence ici, on aurait aimé vous inviter chacun sur le podium, mais là aussi, c'est comme un podium ici aujourd'hui à Bruxelles. Donc je vais passer la parole aux représentants qui vont montrer, qui vont expliquer et exprimer que non, on ne peut pas fermer les portes comme ça, ce n'est pas nécessaire et la décision n'était peut-être pas la bonne. Merci d'être là. Peter de Kaluwe van de Munt. Laat ze niet. Keep your shots, keep back in the front. Keep on sharing, please, brave and dear. En voor de mensen die daar dat de CST-pastoor was, de maskers verpleegd zijn overal in grote steden. Heureux de vous voir si nombreux ici. Vraiment, ça fait du bien. We verzamelen hier vandaag, op deze toch wel trieste, regenachtige en sombere dag na Kerstmis. De dag waarop onze activiteiten worden stilgelegd. Onze missie wordt genegeerd. Ons bestaansrecht met de voeten wordt getreden. Het was werkelijk een stille nacht toen om 12:00 vannacht onze culturele podia op slot gingen. En de nieuwe regels in voege kregen. Die ons niet langer officieel toestaan om op te treden, om artiesten en publiek met elkaar samen te brengen. Die ons verhinderen om te doen waar we het beste in zijn. Meerwaarde brengen. Apporter de la valeur ajoutée à ce monde devenu si froid, rigide et aussi intolérant. Initialement, nous aurons dû se rencontrer devant la Monnaie, lieu d'importance historique pour notre pays. Au niveau des manifestations. Mais vu votre présence nombreuse, nous avons dû déménager ici, vers le monde des arts, aujourd'hui intitulé sur les réseaux sociaux « Mort des arts ». How appropriate. We should not have been here today, but we are, requesting respect for our sector. And for the first time, in total solidarity between all organizations on all institutional levels. I am happy to represent the federal institutions and speaking also on behalf of my colleagues of Beaux-Arts and my colleagues of the National Orchestra of Belgium, who are all present here. The Flemish level, the Francophone and the Brussels art sector, who will all take the platform today and speak with one voice and give the same message. Allow us to perform as we know how to do very well, with respect of all safety measures, but with an immense creativity and inventivity.
Trust us, respect us, let us do our work, and let us continue our mission. Thank you. Goedemiddag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous voir si nombreux, vous l'aurez compris, il y aura de nombreuses interventions cet après-midi. Nous essaierons de ne pas être trop longs. Une chose est claire, nous sommes là toutes et tous pour lancer un signal fort aux politiques. Nous sommes bien évidemment solidaires, totalement solidaires du milieu hospitalier et de toutes celles et ceux qui luttent contre le virus. Mais nous revendiquons une égalité de traitement et appelons le politique à reconsidérer l'importance des enjeux de notre secteur. Wij eisen gelijke behandeling en doen in beroep op de politiek om het belang van de problemen in onze sector te heroverwegen. Dank u wel, merci et bon travail à toutes et tous. Lieve mensen allemaal, het is met de bottenbijl dat tegen het advies van de wetenschap en de GEMS vorige week het overlegcomité de theaters gesloten heeft en het applaus heeft doen stoppen. Daar brengen wij nu verandering in. Daarom zijn wij hier. Omdat er op dit moment geen land is in Europa waar men met zoveel nonchalance, nalatigheid, misprijzen over cultuur handelt en praat. Daarom zijn wij hier. Omdat wij, beste mensen, omdat wij het beu zijn na 2 jaar overleg, investeringen, opleidingen van mensen om publiek veilig te ontvangen, toch altijd niet gehoord worden. Daarom zijn wij hier. Omdat wij het beu zijn. Parce que on en a marre. Ce rassemblement aujourd'hui, nous tenons à le dire, est l'initiative de beaucoup de gens et soutenu par beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. On le voit aujourd'hui ici devant nous. Tout le secteur, et c'est unique, nous tenons à le souligner, tout le secteur néerlandophone, francophone, toutes les disciplines, tous les genres, tous les artistes formels, non formels, qui ont une formation, qui n'en ont pas, on exige que les théâtres soient ouverts. Dit is, lieve mensen, een uniek en historisch moment dat we hier allemaal verenigd zijn. En vandaag zullen wij gehoord worden. For the people who joined the stream, welcome. You are in Brussels, capital of Europe. We have a protest of the cultural sector against the closings. For the mensen die de stream join, welcome. U bent aanwezig te Brussel op het protest van de cultuursector tegen de sluiting van de cultuursector. Hou afstand en geniet van deze middag, ondanks alles. Dank u wel. Dankjewel, Michaël de Kok. Alors, place aux femmes, n'est-ce pas? Die kon ik niet laten liggen, hè? Lieve mensen, cultuur is ook dankzij Cathy Mignon, Rideau de Bruxelles, Virginie Cordier, La Vennerie, Annie Bozzini, Charles Roy Danse. Elles sont là, vous pouvez les accueillir. Tous, bonjour, bonjour. Je vais dire des choses un petit peu moins sexy que tout ce qui vient d'être dit, puisque les femmes sont là, allons-y. On va parler de droit. Le droit de participer à la vie culturelle est un droit fondamental, constitutionnellement reconnu et internationalement protégé. À ce titre-là, aujourd'hui, je ne parle pas qu'au niveau de la danse, puisque tous les secteurs sont concernés, vous l'avez compris. Néanmoins, la Fédération des employeurs des arts de la scène, auxquels se sont ajoutés désormais la Ligue des droits humains, l'association aussi des centres culturels, demande instamment au gouvernement de renoncer à cette décision et d'introduire un recours en justice, des recours en justice qui s'imposent.
dès demain, puisqu'un recours au Conseil d'État va être déposé demain. Il sera engagé. C'est une procédure longue, on le sait, mais plus rapide. Plus rapide est quelque chose de plus efficace, sans doute, de plus rapide est une seconde mesure qui sera engagée, qui est, je vous cite le terme exact, une action en référé au tribunal de première instance. Il s'agit d'une demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence. They're going to court against the measures, the decision this week to reopen the cultural sector. Au francophone, merci et bonjour d'être là. Si vous voulez avoir des streams en francophone d'ici, je vous invite à aller chercher la page de VQ3, de Kairos, de BAM et de InCTV. Ils sont tous ici en train de faire du streaming en francophone, en français. Moi, je le fais plutôt en anglais et en flamand, mais néanmoins, merci d'être là, merci de partager et merci aussi de faire un subscribe, de vous abonner si vous avez envie. Merci beaucoup pour cela. Et nous sommes tous solidaires aujourd'hui, quelles que soient les langues et les communautés. Merci. Bonjour, merci d'être là. On en a besoin plus que jamais. Aujourd'hui, ce que je tenais à vous dire, c'est que nous tenions de la culture. C'est qu'aujourd'hui, en disant non aux mesures discriminatoires, à la maltraitance dont nous sommes frappés par les décisions de nos gouvernants, aujourd'hui, en disant non à ces mesures, nous disons non à une gestion de cette crise qui est incohérente, qui est... Nous demandons à nos politiques de prendre leurs responsabilités, de enfin mettre le bien commun au centre de leurs décisions, de enfin prendre en considération les gens, les êtres humains qu'il y a derrière toutes les décisions qu'ils prennent, qu'ils et elles prennent. Aujourd'hui, ça suffit. C'est un nom collectif qui se bat pour quelque chose de plus grand et de plus large que la culture. Aujourd'hui, nous battons pour nos droits fondamentaux. Ook aanwezig, trouwens, for the people, I'm gonna tell it in Dutch. But we have Ezra, who is here, and we have Sarah Melis. Both of them are organizers of the first Brick March of Freedom we had. And the next one is on the 9th of January. The 9th of January. Voilà. For the mensen in Vlaams. Ezra en Sarah Melis, de organisatoren van de Mars voor Vrijheid, zijn hier ook aanwezig. Samen voor Vrijheid. Een organisatie die werd getrashed in een of andere politieke hoek, maar toch hier aanwezig voor Eendracht te vinden. Heel mooi, voilà. Dank u wel. Porter l'exigence des droits culturels, ça a été notre leitmotiv pendant presque deux ans. Et c'est dans une remise en question permanente que nous nous sommes interrogés. Quelle place prenons-nous dans la vie de chacune et de chacun? Convaincus que c'est dans le lien que nous faisons civilisation, nous avons mis en place de nombreuses activités dans les quartiers, dehors, souvent pour fuir les contraintes et les interdictions successives pour ouvrir nos salles. Petit à petit, on a reconstruit dans un contexte où le CST est devenu la règle. Incarner les droits culturels avec un scan à la main pour contrôler deux fois switch. Instead of making like a decor building, they can also make like coffins and guillotines and I don't know how to translate it. You give a big reduction to the ministers. You give them big reduction to the ministers. There you go. For the Vlaming, I have a star what they're upstarting. Andere collega's met een aanzien van artiestenwings of Stellingen were. Deze willekeurige maatregelen doen het werk van sociale cohesie. No culture, no democracy. Stop thinking we are all clowns. Une fois de plus, on creuse les inégalités et l'accès à la culture.
En atteste le fait que certains lieux ont dû à contre-cœur privilégier leurs abonnés aux dépens de tous les autres, rendant caduque la démocratisation culturelle. Excite les bénéficiaires de l'article 27 ou des utilisateurs de tarifs préférentiels. I will not be able to translate all those speeches, honestly, for you guys. I will not be able because it's too technical speaking about the culture sector. Je crois profondément que la culture contribue à une société inclusive, participative et pensante. Merci beaucoup. Stanny Kretz, acteur en regisseur, u mag hem verwelkomen. The organizer, Stanny Kretz, he's a comedian. Vele paraplu's. Is now having his speech. I hope he doesn't say a couple of things that people are saying he would have said. Because then myself, I'm also pissed why the fuck I'm even here. En iets zei me dat dit het enige juiste moment was om op te roepen dat te horen. Wij hebben vele gezichten die ons tot een makkelijk te treffen sector maken. Wij zijn divers en gevarieerd en dus gemakkelijk uit elkaar te spelen. Maar nu liggen we collectief op de grond. En kunnen we als één reus terug recht staan op deze berg. Een reus met één De politiek heeft een niet te verdedigen spel gespeeld met kwalijke gevolgen. Het heeft zich een zwakke speler getoond die nu dringend aan rebooting toe is. Enkele uren na onze oproep kregen we al het bericht dat meneer Van den Broeke zei dat de deur op een kier stond en dat er dinsdag aanstaande zou gepraat worden met de sector de maatregelen. Maar als terugkomen op teruggaan naar de situatie van voor waar we ons mee mogen laten afschepen. We moeten sowieso snel terug naar de situatie van voor 5 december, toen de eigenlijke sluiting al werd ingezet. Maar toen lag nog niet iedereen tegen het canvas. Nu dus wel. Noodloos om te herhalen hoe we als sector altijd bij de beste van de klas zijn geweest. Dat we solidariteit hoog in het vaandel hebben gedragen en er alles aan gedaan hebben om meer dan veilig te kunnen werken. We waren de eerste om te sluiten en de laatste om open te gaan. Maar deze macabere loterij gaat niet langer om de gezondheid. Dit is een economisch en politiek spel en wij zijn jammer genoeg het makkelijkste slachtoffer. Dus, beste overheid, get your shit together. Dear government, get your shit together. En zit samen met de sector om een duidelijk lange termijn plan te ontwikkelen met de juiste steunmaatregelen op alle vlakken. Zodat wij kunnen werken met perspectief en visie op de toekomst. Stop de yo-yo-politiek. En meer nog, stop in godsnaam met het polariseren van de maatschappij, zodat we heel snel ook weer terug kunnen naar een wereld waarin iedereen weer van cultuur en van elkaar kan genieten. Iedereen, want dit is een zeer ongezonde situatie. Beste overheid, u heeft een zwarte zak over ons reeds geblinddoekt hoofd getrokken en ons achtergelaten in een lekke onderzeer met één bot aardappelmesje waarmee we onszelf tergend traag van kant kunnen maken voor we allemaal verzuipen. Maar om met een positieve noot te eindigen, de Kunstberg heeft nog nooit zijn naam zo verdiend als vandaag. Dank u wel.
paniquette. Ça fait deux fois déjà que Fire Will Become Ashes, But Not Now, le spectacle de Picho Wombakonga, a été annulé. On garde les tickets pour 2022, peut-être, on verra. Ou on espère pouvoir l'accueillir aujourd'hui et on espère avec lui que ça pourra se réouvrir et recommencer beaucoup plus tôt. On l'accueille, s'il vous plaît. Picho! Un, deux, un, deux. Okay. Vous m'entendez? Super. Alors je vais faire un petit slam qui me fait penser à ce que nous vivons là maintenant. Et ce morceau s'appelle Réparer les vivants. L'erreur est humaine, de même que l'horreur. La tumeur gangrénait depuis longtemps, la rumeur a tué la vérité et nos rumeurs à petit feu. Seule lumière un petit peu perceptible par ceux qui nous dirigent et nous érigent des murs d'incompréhension. Dieu merci, on n'est pas les seuls à tenir bon. D'un bout à l'autre, on crée des ponts. Survivants, on tient debout sur du vent. Sentiment d'apesanteur. Un peu sans peur parce que le pire vient d'arriver. On s'autorise de rêver, mais pas trop fort. Pas trop fort. Le monstre dort et il faut veiller à ce qu'il ne se réveille plus. Peut-être qu'il fait semblant, qu'il nous épie, qu'il nous attend, tapis dans les bassesses de nos horreurs. Et pourtant, tout semblait sous contrôle. Tous semblaient connaître parfaitement leur rôle. Les riches, les pauvres, les opposants, les apôtres, nous, les autres, les invités, les hôtes. Fallait surtout éviter que l'ordre s'inverse. Continuer à faire en sorte que ça vienne d'en haut comme une averse. Soit être confiné ou être hors la loi. Soit être vacciné ou être hors la loi. Fallait surtout éviter que l'ordre s'inverse. Finalement, tout se joue entre le privilège du préau ou être trempé. Être protégé par ceux qui sont très hauts ou être condamné. Le privilège du préau ou être trempé, 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 trempé jusqu'à s'y noyer. Mer de Méditerranée. C'est étrange comme le même poison a transformé les fruits étranges en poissons. Tous atteints d'amnésie. Les citoyens d'aujourd'hui oublient qu'ils ont été les migrants d'hier. Alors... comme ça, on peut voler la richesse du monde, mais on ne peut pas accueillir sa misère. Le monstre l'entend et il ricane de nos slogans. Il ricane. Il ricane une allumette sous la jerricane. Il nous regarde. Il nous regarde comme une mise en garde parce que le pire est à venir. Mais le meilleur aussi. Tout dépend si on se lève, si on bouge ou si on reste assis. Tout dépend si on réussit à briser les murs de nos ghettos ou si on réussit à passer au-dessus. Non, mais ça c'est pour les politiciens, à passer au-dessus. Encore plus pour nos amis politiciens, à passer au-dessus de nos égos. Oui, à passer au-dessus de nos égos. Entre le cauchemar de Darwin et le feu de Baldwin, entre le cauchemar de Darwin et le feu de Baldwin, la machine s'est enrayée. L'humanité s'est emmêlée sur la toile et l'araignée s'en réjouit. Qui d'autre que nous avons nourri le ventre de la bête? À chaque tragédie, je ne peux m'empêcher de me demander qui va-t-on montrer du doigt? Qui doit s'excuser de quoi? Quelle communauté va endosser la culpabilité? Qui va-t-on menoter? À qui va-t-on ôter la vie pour des délits de faciès? Quels sont les fantômes? To everybody on this team, you are on amai.be. We are reporting currently for your protest. I have to wear my mask.
We collect, share protest events of all kinds, as long as they are for unity and as long as they are not for racist and violence. We put them on our website so organizations can find each other. And mostly people who don't know about organizations and protests can find the protest to go standing together in unity. For the mensen in het Nederlands, die ons kan allemaal niet kennen, welkom, je bent op mij.be, de partykalender voor jouw protest. En ook, daar zat de zoom in. Wij verzamelen sinds meer, sinds juli vorig jaar, protestevents, zodat u protestevents ook kan weten, vinden en zijn om samen in eendracht te gaan staan. Protesten van politieke partijen of van vakbonden, die doen we niet meer als verdeling, daar geloven wij niet in. Wij willen eendracht aan de macht zien. Dus welkom voor dat te zijn. Thank you for being there. Thank you for sharing. Thank you for subscribing. In het Nederlands, bedankt voor je te zijn. Bedankt voor vooral te sharen momenteel. In de groepen waar jullie zitten, bij de bomma, bij de tantes, bij je broer, je neef, je neef. En ook te abonneren, want dat maakt dat de video meer zichtbaarheid krijgt op YouTube. En likes te geven, dat heeft ook meer zoekers. Ik kan de camera weer draaien en ik ga weer een toertje verder doen en bot slaan. Also to all of you, hope you had a Merry Christmas. Already wishing you a happy new year, hopefully not new fear. But yeah. Om onze stem te laten horen. We zijn niet het probleem. We zijn het probleem. There we can never tell that. I can only use, you can like, okay, I explain you. Type in Google now, if you have dual screening, go to Google, type crowd calculator. Then you will have map checking as the first one. Then you go type. You type in the Kunstberg Brussels. You draw the zone that I'm being streaming here. Say 2 to 3 people, the square meter. People right now are here. I can do this. So those numbers are. But I cannot do it being in between all those people. I mean, if I have to say 20,000, I would say. I don't know. 10,000. Let's say more than 10,000 already. Cooperation with finance, culture makes us rich. Prenez vos responsabilités pour sauver notre secteur. Ce sera sans podium, sans lumière et sans son. Merci beaucoup, Vincent Morel. Pierre Dert, qui est représentant des political question mark. Première fois dans ma vie, je me retrouve sur.
La seule chose qui est assez dommage. I'm sorry guys, I have to take an umbrella myself. I'm about to stream this for you all because I need to put. Oh, there's no streaming at all. So give me a moment, then I have an umbrella and I put it over. And then probably go stand on the side to have an overview for your shots while it's raining. But on a... So, come to Belgium. Welcome to Belgium. Be able, but I will not be able to go between the people. Just for the mensen. Kan een paraplu nemen voor mijn rif te beschermen. Zo omdat ik hoger op ben voor een overview te krijgen. De rest aan een beetje spelen met de zoom, inzoomen en uitzoomen. Rief beschermen, dus ja, de camera in de lucht steken, gewoon niet. Paul, moet ik kijken of dat kan oplossen. Maar het is roeien met de riemen dat we hebben. Is de volledige band dat hier staat? Trying to find a spot. Oh, there we go. Beautiful. Kan iemand een keer in de hoek scharen? Amai, je publiek hoek. Maar ik heb geen idee dat er in mijn hoek al geshared is. Dat is dat er iemand voor jullie bij is die de hoek kent op Facebook. Het zou lief zijn dat je de YouTube link daar een keer plakt. Bedankt. Misschien naar Flemish of zo. De hoek is openbaar. Een probleem, want mijn mening is dat een hoek op Facebook even openbaar en toegankelijk moet zijn voor iedereen voor te posten, te sharen. Dus alvast dank daarvoor als iemand de video kan sharen, de stream kan sharen. So for the people who ask how much people are there, you can kind of see how big the zone is. Go to the map checking, so crowd calculator in Google. And put in 3 persons per square meter. Then you can kind of know. So it also goes up the stairs. There's people in the whole atmosphere.
joined in on the stream, welcome. You are watching a protest in Belgium, Brussels, the capital of Belgium, and also the capital of the European Union, as we have one of the European parliaments, the other one is in Strasbourg. This is a protest of the cultural sector, because they have to close again due to the COVID measures. And obviously they did a lot of effort the last year with all the measures that they had to take, but anyway, they have to close. Now, are there a lot of people getting sick in our country? Not really. Are there a lot of people dying compared to last year? Close. Voor de mensen in Nederland, ik denk dat je het wel verstaan hebt, maar welkom. U bent dus in Brussel aanwezig op het protest van de cultuursector die maar weer eens moet sluiten omwille van het COVID. Voor die Duitsersprachige mensen, ook hallo daar. Je kijkt naar een stream van het protest in Brussel, België. En dat protest is eigenlijk van de cultuursector. Also theater en nightlife en zo. So. Dat alles weer gesloten is. Hello Australia, send us some. But it's summer almost at you guys, so I guess you can have our rain if you want. I mean, for your crops and stuff, you can have a little bit of our rain. Scotland, thanks for being there, thanks for sharing. Beautiful country, by the way, Scotland, love it. Okay, so I have an overview. I'm gonna take you with me again to look for another high point, another overview, maybe more. Where we're gonna go try to get where that horse is, the other side, and stand also high there to give you guys an overview and also be closer to the speakers so people who understand French and Dutch, they still can understand a little bit of the speeches. But I'm sorry to translate it all in English, it's gonna be fucking hard work and it goes too quick. And I do think organizing so the international community and the I do not organize, I stream it, that's all I do. I don't organize protests. Now, this protest was... It's the theater where... The Belgium Revolution actually started. That's in the center of Brussels. But they had to displace this protest to the place we are now, where it's called the Kunstberg. It's called the Art Mount, for the reason that there was too much people interested. I don't know if I'm going to get in between, because people are going to say... Maar wij verwachten van u hetzelfde. Maar we laten leiden. Wij aanvaarden geen improvisatie. Het is een gigantische sector, uw sector. En we willen rationeel beleid. Wij eisen het, ons publiek eist het, het hele land eist het. There's going to be trolls on the stream. Don't go into arguments, leave them be. If there's trolls, don't put energy in trolls. That's all I can say. I'm going to go try to get up. Paar trapjes naar beneden. We could manage another spot, guys.
And girls. It's a woman out on the street. Hello. I see a connection, I have connection problems. That I will re-upload the stream without stream interferences when I'm back home. Was er die fantastische Show? We waren van plan om ze hier vooraan te doen, dus als je graag heel dicht bij het podium s'il vous préférez. Merci pour les applaudissements. Place au cinéma.